Bien. Alors donc, alors qu'est-ce qu'on voulait faire? Maintenant, on va vers donc une fois que nous avons donc notre le menu, on va vers Meteo, nous avons Meteo. Alors ici donc comme je disais, on va créer un formulaire. Alors pour créer un formulaire, la même chose. Donc soit vous connaissez déjà les styles CSS, sinon ben c'est très simple, vous allez vers la documentation. Où est-ce qu'on va? Vers Form. Et dans Form, vous avez des styles de formulaire. Vous voulez garder ce style-là, ben tout simplement, vous voulez garder ce style, par exemple, ici. Vous pouvez utiliser ça. Ce code, CTRL-C. Et on va vers meteo.html. Et ici, au lieu de H1, tout ça, on va mettre notre formulaire. Alors, sauf que ici, au lieu d'utiliser div, on va utiliser form. La classe utilisée, c'est list. Et notre formulaire, on va utiliser ng-submit. C'est-à-dire quand je valide, alors on va faire appel à une fonction qu'on va appeler, par exemple, getMeteo. Et vous voyez donc qu'il y a un label. Alors, le label, c'est item, les classes, c'est item input. On va créer une zone de texte de type texte. Placeholder, on va utiliser donc ville. On va saisir la ville. Et après, ng model. Alors, ng model, on va l'appeler ville. Ça veut dire que la donnée qu'on va saisir, c'est plutôt au niveau du modèle, on va l'appeler ville. Et si vous voulez, ici, après, je n'ai plus besoin de ça, mais j'ai besoin d'un bouton. Submit pour valider le bouton. Alors ici, donc, c'est envoyer le texte. Alors si on essaie de voir ce que ça donne. Alors vous voyez donc dans notre page, donc, il y a un simple formulaire. Donc on va saisir la ville. Envoyer. Pour le moment, il n'y a rien qui va se passer, n'est-ce pas? Alors maintenant, on aura besoin d'inclure les contrôleurs maintenant. Pas jeter le contrôleur, mais avant ça, on va quand même styler ce bouton, on ne va pas le laisser comme ça. Alors si vous voulez savoir, par exemple, vous voulez ce style-là, vous faites quoi? Inspecter. Vous voyez donc ces boutons, bouton bloc, bouton positif. Alors c'est ce qu'on va faire. Donc classe bouton bloc et bouton positif. Enregistré. On a donc notre formulaire avec le bouton. Alors sauf qu'on a besoin quand même de mettre un peu de un padding, n'est-ce pas? On va mettre un espace pour cela. On va utiliser, si vous voulez, dans IonContent, vous pouvez ajouter classe. Il y a une classe qui s'appelle Padding. Alors vous voyez donc, vous allez voir le. Vous voyez? Donc c'est juste pour donner un peu de padding à ça. Mais après, vous pouvez personnaliser. Alors je ne voulais pas enregistrer comme ça. Enregistrer. Voilà. Alors maintenant, ici, quand je clique sur le bouton, j'appelle quoi? GetMeteo et je lui transmets comme paramètre ville. Alors maintenant, ça veut dire que nous aurons besoin d'un contrôleur dans lequel il y aura GetMeteo. Alors, comment on va le faire? Donc, on va revenir sur app.js. Alors, dans app.js, si vous vous rappelez, nous avons créé la route météo, on a utilisé le paramètre URL, on a utilisé template URL. Maintenant, on va ajouter le nom du contrôleur. Pour chaque vue, voilà l'URL, voilà la vue elle-même, l'implémentation de la vue, et voilà le contrôleur qui va être utilisé. Et ça va vous éviter d'utiliser l'attribut ng-contrôleur pour spécifier quel contrôleur que vous voulez. Alors, on va utiliser donc l'attribut contrôleur de point. Le contrôleur, on va l'appeler météo. CTRL, contrôleur. Alors maintenant, il faut créer ce contrôleur. Alors ce contrôleur-là, on va le créer. Vous savez le faire, c'est app.contrôleur. Et après le nom du contrôleur,
Vous suivez? Et après, vous mettez function. Alors, function, ici, on aura besoin d'injecter les services Angular. Alors, on aura besoin peut-être d'utiliser HTTP pour envoyer des requêtes vers le serveur. On aura besoin d'utiliser donc d'autres éléments. Au fur et à mesure, on va voir comment les faire. Alors, pour le moment, juste pour tester, est-ce que ça marche, notre élément marche bien, on aura juste besoin d'ajouter dans le scope. Bien sûr, on aura besoin de scope. C'est le modèle. Dans scope, on aura besoin de créer une fonction qui s'appelle getMeteo égale function. Alors, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle reçoit en paramètre? La ville. Alors ici donc on va juste dans un premier temps faire alerte ville et on peut tester pour voir. Vous voyez donc le alerte plutôt ça marche bien. Ouais. Bon. Alors c'est toujours bien de vérifier. Sinon, il faut faire attention à ce moment-là, à ce stade-là, il faut toujours afficher la fenêtre console. C'est-à-dire, vous utilisez les outils de développement. Vous voyez bien, c'est purement c'est du développement web, mais à un moment donné, vous dites, je vais générer l'application mobile Android, hop, on avait montré tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire, bien sûr, par la suite. Mais ça, on aura besoin de regarder un peu les messages de temps en temps, parce que parfois, il y a des erreurs, n'est-ce pas? Au niveau de la console. Alors maintenant, c'est pas ce que je veux faire. Alors ce que je vais faire, c'est que quand j'appelle getMeteo, donc je vais me brancher vers une autre vue qui permet d'afficher la météo. Alors, c'est-à-dire que je vais pas en fait afficher la météo dans le même formulaire. J'ai besoin d'une autre vue que je vais appeler info météo. Et c'est dans info météo que je vais afficher la météo. Alors comme ça, je sépare un peu les choses. Sinon, on sera ramené à afficher donc la météo dans la même vue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour ajouter une autre vue? State. Alors state, je vais créer une autre route que je vais appeler info météo. Info météo. Mais regardez bien. Dans l'URL, cette fois-ci, info-météo, quand j'appelle info-météo, je vais mettre slash de point ville. Ou bien, on va l'appeler city. Ça veut dire que on va utiliser un path param, n'est-ce pas? En fait, pour utiliser un path param, vous voyez donc ici, vous utilisez deux points city. C'est-à-dire que je vais à chaque fois appeler info-météo slash le nom de la ville. Donc, vous voyez, ça devient un paramètre de ville. Et le contrôleur, on va l'appeler, on va créer un autre contrôleur qu'on va appeler info-météo-contrôleur. Alors, on a besoin juste de créer cette page qui s'appelle info-météo.html. On prend météo-contrôle-c dans template-contrôle-v. On va l'appeler info-météo.html. C'est pas ça. Et c'est pas ce que je veux dire. Info-météo.html. Alors ici donc dans info-météo.html, on va pas mettre ça, on va mettre juste ici donc info-météo pour le moment. Et après on va voir ce qu'on va mettre comme contenu. Alors vous voyez donc il y a une vue que je viens d'ajouter. Alors maintenant comment naviguer? Quand je clique sur le bouton, j'appelle, on est bien d'accord, j'appelle getMeteo. Mais dans getMeteo, je vais appeler. Il y a en fait dans Angular UI Router, il y a un objet, il y a un service qui s'appelle state, qu'il faudrait injecter. Ici, on va tout simplement utiliser state.go. C'est-à-dire aller à une autre. Hein, je suis en train de faire, d'aller vers une autre route. Je vais aller vers la route. Comment il s'appelle la route? C'est info météo.
Mais cette fois-ci, je vais envoyer des paramètres. Alors, pour envoyer des paramètres, on va spécifier un objet. Alors, ici, il y a un seul paramètre. Comment il s'appelle le paramètre ? City. Deux points. C'est quoi sa valeur ? C'est la ville qui a été saisie. CTRL-S. Alors, ici, vous allez voir ce qui va se passer. Alors, je saisis la ville. Envoyer. Il y a une erreur. Ce qui est... Ça veut dire qu'on a oublié quelque chose. Info meteo CTRL is not a function. Donc on n'a pas créé le contrôleur. C'est pour cela que ça n'a pas marché. Parce que ici, donc, cette route, il a besoin de ce contrôleur. Donc, c'est-à-dire à nouveau, donc, on aura besoin de app.controller. Comment il s'appelle le contrôleur? C'est info meteo controller function. Alors ici, après, on va voir ce qu'on va mettre. Enregistrer. Il faut que le contrôleur soit créé. Alors déjà, ça marche, il n'y a pas de problème. Alors vous voyez donc ici, casa, hop, je suis sur info-meteo. On vient de vous montrer également comment, dans le système de route, comment naviguer d'une vue vers une autre. C'est bon? Alors maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher les informations sur la météo. Donc l'essentiel du travail, on va le faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, dans Info Meteo, on va utiliser un nouveau scope. On va injecter donc le scope. On aura également besoin d'injecter State Params. Alors, ça, c'est toujours pour les routes. Pourquoi? Parce que quand j'appelle le contrôleur, il y a un paramètre, il y a un path param, n'est-ce pas? Pour récupérer ces paramètres, on utilise l'objet StateParam. En fait, l'objet StateParam, il permet de récupérer les paramètres que vous avez envoyés sur à la vue. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va juste prendre de la scope. Je vais dans le scope, je vais créer un attribut qui s'appelle ville, dans lequel je vais mettre tout simplement c'est StateParams. Comment il s'appelle le paramètre? C'est juste. Je prends le paramètre URL city et je le stocke dans la variable ville du scope. Si vous voulez vérifier déjà, vous n'avez qu'à aller vers info-meteo.html. Si vous voulez afficher maintenant la ville, vous mettez ville tout court parce que je suis dans le scope. Alors si je regarde, déjà il est affiché. Vous voyez donc, ça c'est le... Alors, météo. Je navigue. Donc, jusqu'à présent, je vous ai juste montré comment utiliser Angular UI Router, qui permet donc de configurer les routes. Comment naviguer entre les différents. Dans les applications mobiles hybrides, généralement, c'est ce que vous faites, même dans les applications web. Parce que normalement, dans le projet que vous avez créé, l'application web avec Angular, c'est comme ça que vous configurez les routes. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Nous allons nous connecter dans ce contrôleur. Le contrôleur, c'est là on va se connecter vers le serveur et on récupère les données météo. Alors pour cela, voilà ce qu'on va faire. Alors je vous rappelle que, en fait, dans notre application, on aura besoin d'utiliser donc une API. Je reviens vers l'architecture. Voilà. Donc on aura besoin ici, donc dans cette vue-là, on a besoin d'envoyer une requête vers le serveur. Le serveur, c'est openweather.org. Alors si vous voulez récupérer les données de la météo à partir de openweather.org, c'est très simple, vous aurez besoin de vérifier avec ça. Donc API openweather.org, data 2.5, forecast, daily, query, la ville, vous mettez la ville. On va voir si déjà stat est inscrite dans le... C'est comme ça que ça s'écrit? Oui. Voilà, vos données. Alors, on voit déjà donc la ville stat ici. Vous avez stat et après, vous avez le country MA. Après, on aura besoin de savoir lire la structure de ces données-là et on va les afficher. Et après, vous allez voir, il y a une liste.
Et chaque liste, vous avez la date, vous avez la température, vous avez la pression, à quelle heure, telle. Et après, vous aurez également le type de climat. Et après, pour les prochains jours, voilà ce qu'il va faire. Donc, vous avez les données qu'on va afficher maintenant. Mais si toutes ces données-là, on va les afficher comment? On va les afficher dans des listes comme ça. C'est bon? Alors, pour cela, vous allez voir, c'est pas compliqué. Alors, on va revenir à l'application, ici. On va faire les choses progressivement. Alors, nous, on sait que, en fait, on n'a pas besoin d'afficher dans notre contrôleur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer la requête. Alors, si vous voulez envoyer une requête vers le serveur, vous aurez besoin du service HTTP. On l'a beaucoup utilisé, n'est-ce pas? Alors, pour cela, on va utiliser donc http.get l'URL. Alors, c'est quoi l'URL? Donc, on va utiliser donc URL. L'URL, on va faire un copier-coller. Donc, ça, c'est l'URL que vous aurez besoin de connaître. Donc, je vous rappelle que tout à l'heure, pour que ça marche, il vous faut quand même un app ID que vous pouvez générer à partir de leur site. Alors, ici, donc, je prends tout ça, CTRL-C. Relever. Et je change, la seule chose que je vais changer, c'est ici la ville. Alors ici, donc, je vais fermer les côtes, plus, quoi? C'est pas city, c'est state. Params.city. Plus le reste. Ok? C'est bon, c'est ça l'URL. Alors maintenant, on va tout simplement appeler l'URL. Et on va mettre .success, j'envoie la requête, function, data, .success, c'est-à-dire si j'ai un résultat, et après vous pouvez ajouter .error. .error. La même chose. Function error. Alors ici c'est pas de point virgule. Alors ça veut dire quoi? J'envoie la requête vers le serveur. Je récupère les données. Alors ces données là que je récupérais, je vais les stocker dans le scope. Scope.meteo égale data. Alors si vous voulez voir si ça marche, on n'a qu'à revenir à Info Météo. Ici, on affiche les données météo. C'est-à-dire, dans le scope, j'affiche l'objet météo. Mais normalement, c'est un objet qui contient beaucoup d'informations. Alors, j'enregistre. Alors, je regarde ce qui se passe. Vous allez trouver que les données sont déjà là. Mais là, j'ai affiché les données en brut, n'est-ce pas? Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Je voudrais afficher les choses que je veux. Alors, pour cela, voilà ce qu'on va faire. Ici, d'après notre exemple, on voudrait tout d'abord afficher les informations suivantes. C'est-à-dire la ville qu'on a saisie, on a besoin d'afficher longitude, latitude et la population. Alors ces informations-là, on va les trouver ici. Regardez. Le résultat, j'ai l'objet meteo.city.name, ça c'est le nom de la ville, n'est-ce pas? Si vous mettez city.population, vous avez la population. City.country, vous avez le country. Alors ici, donc j'ai besoin de la longitude et latitude. Donc je vais utiliser city.chord.land ou bien .chord.lat. Ok? Alors ça veut dire, quand je récupère des données en format JSON, j'ai besoin de connaître le format. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser ici Endiv avec la classe Padin. Et après, je vais utiliser des labels. Alors, label, qu'est-ce que je vais afficher? Donc, longitude. Longitude. Pour afficher longitude, donc, on va utiliser quoi? C'est météo, l'objet météo, point city, point chord,
longitude.long. Longitude. Alors, vous voyez bien les données. City.court.long. Je fais la même chose. City.lat. Alors, je fais la même chose pour afficher la population. Alors, pour population, ça doit être... Population, c'est 6. City.6.population. Enregistrer. Et vous voyez déjà, il y a les données qui sont là. Population et ligne par fichier. Alors, on va faire un retour à la ligne. Pour cela, on va utiliser CSS. On va utiliser classe label float label comme classe pour l'ensemble des labels ici. Enregistrer. Alors, vous voyez donc, si je... C'est pas ce que je voulais enregistrer. Enregistrer, voilà. Alors ici donc j'ai longitude, j'ai la latitude et j'ai la population n'est pas fichée. On devrait avoir normalement la valeur. Ça veut dire qu'on a mal écrit ça. Météo.population. On va regarder population. Alors 6. City. Oui, city.6. Oui, point city. 6 points enregistrés, hop, c'est 0. En fait, 0 ça veut dire qu'ils n'ont pas cette donnée. Hein. Ça pas le... Alors, donc ça c'est un premier début, c'est bien. Alors maintenant, on va afficher une liste. On va afficher une liste dans laquelle on va mettre les données météo. Alors pour cela, alors maintenant, comment afficher les listes? C'est très simple. À nouveau, vous revenez à la documentation. Vous dites, je vais chercher les listes. Quel type de liste qu'on veut? Alors, on veut une liste qui contient les images. Quel type d'image? Comme ça, par exemple. On a un texte, texte, image. OK? Alors, ici, donc, je fais tout simplement un copier. Coller. Ici. Alors, liste. Vous voyez donc la classe utilisée, c'est liste. Alors, vous utilisez A. La classe item, item avatar. Donc, ça, c'est le style utilisé pour ce genre de liste. Bon, href, c'est-à-dire quand je clique sur l'élément, qu'est-ce que je veux faire ici à nouveau? Bon, on va rien faire. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, combien de fois on va reprendre l'élément A? Plusieurs fois. Donc, on va utiliser for each de Angular. Ici, comment? Donc, vous avez A. Si vous voulez, vous pouvez utiliser ng repeat ici directement. C'est le A qui se répète. Ng repeat. Alors, maintenant, on va faire quoi? Alors, on regarde les résultats ici. Nous avons météo, vous avez liste, point liste. Pour chaque élément de météo, point liste, on récupère plusieurs objets. Chaque objet, il y a la date, et après il y a main température, et après il y a les données. Alors maintenant, on va tout d'abord faire la boucle sur la liste. Donc c'est pour chaque objet m in meteo point liste, on va afficher une image. L'image, on va voir par la suite quelle est l'image qu'on va afficher. C'est en fonction de la nature de la météo. On va afficher ici, avec le style H2, on va afficher par exemple le... Alors, qu'est-ce qu'on va afficher? On va regarder. On va afficher la date complète. Alors, pour afficher la date complète, on va utiliser... C'est M. Alors, en fait, la date, c'est ça. DT. M.DT.
Mais là, elle est en millisecondes, il faut la convertir, donc on va utiliser le format .dt. Et après, on va utiliser le format date de point. On va utiliser donc le... Alors, dans un premier temps, on va la laisser comme ça, après on va voir. Ici, qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher la température. En bas. Alors, la température, c'est M point. M point main point temp. Alors, on va supprimer ces trois points-là, enregistrer et on regarde. On a déjà quelque chose, regardez. Alors, tout d'abord, la date, c'est pas bon. Parce que ça, si vous avez en millisecondes, à partir... Donc, on aura besoin, pour la date, il faut la multiplier par 1000. Tout d'abord, parce que sinon, il va vous donner l'année 1970. Donc, ici, on va multiplier par 1000. Et après, on va utiliser donc le format pipe date de point. Et on va utiliser donc, si vous voulez afficher le jour comme ça, E. Alors, si vous mettez... Vous voyez, donc, il vous affiche Saturday. Et après, on aura besoin d'afficher le mois. Le jour, le mois, c'est MM. Ça c'est le mois. On a besoin d'afficher le jour. Le jour c'est DD. Et après, si vous voulez afficher l'année, vous la. Voilà. DD. Et si vous voulez afficher l'année, donc vous utilisez YY. N'est-ce pas? Le jour, le mois, l'année. Sinon, on va utiliser jour, mois, année. Y. Et après, les heures, à quelle heure? Donc, on va utiliser HH majuscule, c'est-à-dire en 24 heures. L'heure en 24, 2 points. Minute. MM. Et vous aurez quelque chose de complet. Vous voyez donc Saturday, le 6 du mois 2, 2016, 15h. À 15h, la température sera. Pas normal. Alors, ça, c'est pas degré Celsius, c'est Kelvin. Ouais. Donc, il faut faire la conversion. Alors, pour la convertir, il faut faire moins 200, je crois, 73. Moins 273,15. Ça, c'est degré Celsius. Alors, ça, c'est l'air d'être bon. 25 degrés. Ah, c'est pas mal. Alors, il faut que je m'assure. Attendez. J'affiche les données. Moins 273,15. Et après, on va utiliser le format, c'est bien ça? Et le format, on ne veut pas utiliser les chiffres après la virgule, donc on va utiliser slash number. Combien de chiffres après la virgule? 0. À 0. Alors ici, donc 25 degrés, on va la mettre en gras, on va utiliser strong. Et après, on peut afficher, ajouter la pression, et après on a besoin de l'image. Et l'image, comment on va l'afficher? C'est en fonction de la météo. Alors comment on va faire ça? Donc je vous propose une petite solution simple, mais après vous pouvez l'améliorer. Alors la connexion commence à prendre du temps. Comment? Alors maintenant, on a besoin des images si on regarde. Si on regarde les météos, si vous voulez, vous avez donc l'élément weather, m.weather, et vous avez main. Et après, vous trouvez ici clear. Clear, ça veut dire que
Sarfim. Après, vous trouverez, par exemple, ici, clear. Là, après, vous trouvez clear. Ok, il n'y a que du clear. Clear. Rain. Ah, on va voir, a priori, il y a de la pluie qui vient. Rain. Vous avez donc clear, rain, vous avez cloud. On va regarder, est-ce qu'il y a un clear, clear à nouveau. Rain. Rain, rain. 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 Clear. Etc. Alors, en tout cas, ce que je vous propose, alors vous aurez besoin de quelques images qu'il faut copier dans votre application. Si, ces images-là, vous allez les appeler pour rain.png, clear.png, et donc en fonction des différents modes. Et après, vous affichez tout simplement l'image correspondant à la valeur. Alors, si vous voulez des images, vous allez juste Google, vous dites... par exemple, les icônes, icônes météo, par exemple, icônes météo. Et après, vous prenez des icônes avec Photoshop, vous prenez des petites images. Alors, je vous propose j'ai ici quelques exemples déjà faits. Ionic, météo. Dans images, j'ai ces images-là. Ça, et ça, et ça. Vous voyez, donc il y a une image clear.png, cloud.png et rain.png. Alors ces images-là, où est-ce qu'on va les mettre? Dans le dossier IMG. Alors c'est fait pour ça. CTRL V. Paste. Paste. Donc j'ai des images ici. Alors ici, pour afficher l'image, qu'est-ce qu'on va faire? À la place de ce nom, on va utiliser img slash. Le nom de l'image, c'est quoi? C'est m point. M.quoi? Point. Wither. Mais regardez, Wither, c'est un tableau. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez le premier élément, on va utiliser Wither de 0. Et après, on va utiliser point main, tout simplement. Donc, on va utiliser point Wither de 0. Point main. Enregistre. Si. Wither m point main, non c'est quoi? Wither de 0 point main point, tout ça c'est point png. C'est déjà fait. Vous voyez donc ça donne. Bah ici il y a un peu de pluie. 6 degrés. Alors on va juste ajouter 6 degrés Celsius. Degrés C. 21 degrés. Alors vous avez. C'est bon? Alors en fait. On va, cette application-là, donc c'est une application mobile, n'est-ce pas? Ce n'est pas une application web. Donc maintenant, il va falloir générer une application Android pour cette application. Vous comprenez que ici, si vous développez déjà avec Angular et vous travaillez bien le web, le reste, c'est fait. Hein? Alors maintenant, il nous reste quand même une partie concernant la géolocalisation qu'on va faire après. Mais ce que je vous propose, cette application-là, maintenant, on va essayer donc de l'archiver.
Mais avant ça, donc, au niveau contact, on va quand même mettre, bon, contact, vous mettez un peu les choses que vous voulez. Alors, contact, on va mettre, vous mettez les informations sur vous-même. CTRL-C. Alors, contact. Contact. Quelle heure il est? 13h21. Ah ouais, donc ça, on va l'arrêter à ce niveau-là, on ne va rien ajouter. Donc, non, on va pas l'arrêter quand même ici, mais on va générer l'application. Hein, on génère l'application Android. Alors, comment on va faire? La console. Ionic. C'est pas build. Il faut tout d'abord ajouter la plateforme. Alors pour ajouter plateforme Android, on va utiliser plateforme add Android. L'icône de quoi? L'icône de l'application. Il y a une icône par défaut qui est affichée, mais si vous voulez personnaliser l'icône, elle est là, ionic.png. Vous mettez l'icône de votre application, mais en même temps, il y a d'autres fichiers dans lesquels vous pouvez personnaliser les icônes de l'application. Alors, donc, la plateforme, elle est créée. Alors, on peut d'ailleurs regarder. Ici, nous avons plateforme Android. Et là, vous avez le projet Android qui est fait. Elle est là. Alors, sauf que l'histoire de tout à l'heure, on a dit que l'API qu'on utilise ici de Android, project.properties, à la place de 22, on va utiliser 23, parce que c'est la version que j'ai installée, l'API. Et aussi dans Android Manifest. Donc, au lieu de, par défaut ici, au lieu de 22, je vais utiliser 23. Et il ne me reste qu'à construire l'application, créer le APK. Comment ? Ionic.build Android. Alors automatiquement, normalement ici, il va ne générer, donc il va compiler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser le SDK qui est installé. Il va compiler, il génère le APK. Et si vous avez le APK, vous avez tout. Donc vous le testez soit sur l'émulateur, soit sur le téléphone. D'accord? Alors ici, donc je vais juste le mettre sur le téléphone parce que, a priori, c'est plus rapide que l'émulateur. Oh, et après l'émulateur vous le lancez et vous utilisez, quelle est la commande qui permet d'émuler? Ionic emulate Android. Automatiquement, si vous avez lancé un émulateur, vous allez voir votre application sur l'émulateur. Alors ici donc il est presque en train de terminer. Alors je vais mettre le téléphone, comme ça on aura quelque chose de complet. Bon, c'est fait. Vous voyez donc le fichier androiddebug.apk. Il est installé. Il est généré. On va le prendre, ce fichier-là. Alors, est-ce qu'on va le trouver dans C? On a créé un dossier Ion. Notre projet s'appelle Meteo App. Alors, Meteo App, plateforme, Android, build, output, APK. Alors, voilà l'application. C'est 2,4 mégas. Alors, on va la mettre dans le téléphone. On va copier ça dans Download. Non? Ah oui, bien sûr. Ouais.
Parce que vous avez besoin d'envoyer une requête vers le serveur, c'est normal. On va copier le fichier, on va l'installer. Alors pour vous montrer l'écran, la même chose, donc je vais lancer avec l'outil Mirror, hop, Receiver, comme ça vous allez voir. Alors pareil, juste quelques secondes, je vais configurer ça. Alors. Et alors je change. Ben, il faudrait juste que mon téléphone soit connecté. Ah, c'est fait. Voilà. J'espère qu'il ne va pas me faire le coup de tout à l'heure. Donc il est 13h30, donc on fait donc on revient à 14h30 pour faire la suite, d'accord? Mais comment vous patientez que quand on voit ça? Bon, en principe. En fait, ce que je viens de faire juste parce que j'ai besoin de projeter l'écran de mon téléphone sur le PC, donc j'ai besoin que le PC et le téléphone soient dans le même réseau. Alors je lance, donc c'est déjà fait je crois, même s'il n'y a pas de connexion, c'est pas grave. Je lance MirrorOp Receiver. Et après je vais utiliser donc l'outil Sender, MirrorOp Sender pour envoyer l'écran. Voilà, il a détecté. Voilà. L'écran ne doit pas tarder d'apparaître. Voilà, il est là, l'écran. Là, on peut voir. Voilà, donc ça c'est mon téléphone. Donc on a copié dans Download, donc on va vers les fichiers. Tous les fichiers. Device. Download. J'ai l'application, elle est là. On va l'installer. Installer. Comment? Alors, si vous la mettez sur le Play Store, c'est à ce niveau-là. Alors, donc, l'application elle est installée. Et voyez, donc, vous la lancez. Voilà. Donc, vous avez une application, ça, c'est une application mobile. Donc, vous avez le menu. Bon, tout ça, vous le voyez là. Donc nous avons le menu, météo, nous avons la ville, setup, envoyer. Alors ici donc je ne vous ai pas montré le... Maintenant il est en train de se connecter, mais ce qui serait bien c'est qu'on affiche le Ionic Loading. Donc Ionic Loading on ne l'a pas utilisé, donc c'est celui qui manque. Mais si la connexion, parce que ça c'est une connexion 3G, et la connexion 3G ici elle est très lente, en principe on devrait... avoir des résultats. Non. Ah. Ma connexion ne marche pas. Alors sinon les autres fonctionnalités,
pendant les autres fonctionnalités. Donc vous avez le, bien sûr le système de navigation, géolocalisation, vous avez tout ce qu'il faut. D'accord ? Voilà, alors donc l'après-midi, donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là.